J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour le remplissage de la semaine et du mois d'octobre. Je vais remplir toutes les enveloppes, à part l'enveloppe course, que je remplirai du coup la semaine prochaine. Parce que moi, je fais ma première semaine en CB, vu que je suis versée tous les 6. Ou sinon, excusez-moi pour le bruit. Ou sinon, du 1er au 6, je peux pas faire les courses avec, comment on appelle ça? Les enveloppes. Voilà. Donc là, on va remplir les enveloppes. Allez, commençons. Donc là, transport. J'ai pris dans la... Comment appeler ça dans les épargnes. Transport, parce que j'en avais besoin. Et le temps de retirer, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... J'ai les 20 euros là, du coup, qui sont là. Et je vais les remettre dans l'épargne. Voilà, je remettrai ça après dans l'épargne. Donc, transport, il est déjà ici. Voilà. J'ai déjà utilisé. Voilà. Ensuite, plaisir. Plaisir, c'est 40 euros. Donc, je mets 30 euros ici. Et je mets 10 euros dans le porte-monnaie. Ici. Ensuite, restaurant, c'est... Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Restaurant, c'est 20 euros. C'est au mois. Voilà. Ensuite, vacances, je mets rien. Course, c'est 30 euros, mais c'est en CB, comme je vous ai dit. Entretien, c'est 20 euros. Non, entretien ici. Voilà. Ensuite, là, il y a un prévu, mais c'est d'hiver maintenant. Et je laisse imprévu, c'est pas grave. Pourquoi divers comme ça? Si j'en ai besoin pour autre chose qu'un imprévu, je peux l'utiliser. C'est-à-dire si je dois acheter quelque chose pour la maison ou quoi. Bah voilà. Donc j'ai mis divers parce que l'enveloppe que j'ai commandée à Jenny, parce que j'ai commandé l'enveloppe santé et du coup divers qui va arriver cette semaine, je rajouterai dans le classeur. Voilà, tout simplement. Donc resto c'est bon, course c'est bon, entretien. C'est bon. Et ici, du coup, il y aura divers. Et là, divers, c'est 20 euros. Donc, j'ai pas l'enveloppe, mais c'est pas grave, vu que c'est au mois. Ça pose pas problème. Je mets directement dans le porte-monnaie. Donc, voilà. Ici, c'est 20 euros. Ensuite, beauté. C'est 40 euros. Donc, je mets 30 euros ici. Et 10 euros dans le porte-monnaie.
Voilà, ensuite, YouTube. C'est 20 euros et c'est au mois. Donc, YouTube, en fait, c'est si j'ai acheté des choses pour YouTube comme pour les concours, tout ça. Ou si sur Vinted, j'ai envie de me faire plaisir et acheter quelque chose. En fait, c'est ça, cette enveloppe. Voilà. Et la dernière enveloppe, c'est la nouvelle que je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est santé. Comme ça, si j'ai besoin de, je sais pas, me prendre quelque chose qui n'est pas remboursé, au moins j'ai cette enveloppe-là. Et oui, là j'ai des gains, mais qui seront pour la semaine prochaine. J'ai déjà fait mon bilan du mois. Ça sera pour la semaine prochaine. Et donc oui, santé. Si j'utilise pas du coup cette enveloppe, ça va me servir pour voilà, remplir l'épargne santé. Voilà. Donc là, la cinquième semaine, il manque 60 euros. J'avais dit 40, mais non, c'est 60. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais oublié l'enveloppe entretien. Parce que je ne l'avais pas avant, l'enveloppe entretien. Donc, c'est pour ça. Donc, ce n'est pas 140, c'est 160 maintenant. Donc, voilà. Mais je l'ai calculé dans mon budget. C'est juste que je ne l'avais pas changé ici. Donc, voilà pour ça. Donc là, il manque du coup les 80 de pour les courses. Donc voilà. On va faire comme ça. Et là, c'est les 20 euros que je vais ranger après. Voilà tout le monde. Ah, la trombone là. On va le mettre là. Voilà. Comme ça, ce que je fais, c'est que samedi, j'irai retirer les sous qui me manquent pour les semaines courses et je les mettrai à l'intérieur. Voilà. Et puis dimanche, on fera le bilan de la première semaine. Voilà, ah oui, comme je vous ai dit que j'ai commandé l'enveloppe d'hiver et l'enveloppe beauté qui santé pardon qui ira ici. J'ai pas que commandé ces deux choses là, j'ai commandé aussi d'autres choses du coup à Jenny. Donc ce que je ferai, c'est que quand ça arrivera, je vous montrerai ce que j'ai pris. Et puis voilà. Et j'attends du coup la commande de Linda. Et ensuite, en fin du mois, j'ai les nouveaux intercalaires qui iront dans mes épargnes à court terme que je vais commander. Donc, comme ça, je vous montrerai ça. Et puis, voilà. Voilà pour le mois d'octobre. Je voulais commander ça du coup au mois de novembre. Je vous avais dit qu'au mois d'octobre, je ne faisais pas de commande. Mais en fait, non, c'est au mois de novembre. Je ne ferai pas de commande. Et puis, voilà. Parce que le mois de novembre, voilà, c'est un petit peu un mois particulier pour moi. Donc, ouais,
J'aurais pas la tête à faire des commandes ou quoi que ce soit. Donc voilà, je sais même pas si j'aurais des dépenses. Parce que bon, voilà. Pour les personnes qui savent et qui me connaissent depuis le début, vous savez pourquoi le mois de novembre, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, j'ai perdu un membre de ma famille qui était très 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 important pour moi. Donc ouais, c'est toujours compliqué la date du 8 novembre. Donc voilà. Et puis le 2 novembre, c'est l'anniversaire de mon frère. Donc vous comprenez que voilà, dans la même semaine, on fête l'anniversaire et puis on fête un décès. Donc c'est ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Surtout qu'en plus mon grand frère n'est pas ici avec nous. Il est en Arabie Saoudite. Donc ouais, le manque de la distance, tout ça, c'est assez compliqué le mois de novembre. J'espère, je croise des doigts qu'il va pouvoir venir nous voir. Voilà, on va espérer, mais bon, c'est toujours compliqué quoi. Mais voilà, sinon ça va, hein, je tiens moralement, mais c'est vrai que ouais, c'est le 8 novembre, ça va faire 2 ans qu'il est décédé et ouais, on dit petit à petit, on arrive à faire son deuil, mais moi, je n'arrive pas. Voilà, j'arrive pas. C'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que, voilà, si au mois de novembre, vous voyez pas beaucoup de dépenses, c'est pas parce que j'ai envie de faire des semaines blanches pour faire des semaines blanches. Non, non. C'est que pour moi, c'est un mois très, très, très compliqué. Et voilà. Et que le temps passe très, très vite. Là, ça va faire 2 ans. Et ouais, pour moi, c'était hier que. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ben voilà tout le monde, j'ai terminé mon remplissage. Je vais aussi vous faire ma vidéo sur mes ongles. Je ferai mes ongles et du coup je vous posterai ça en short. Donc n'hésitez pas à regarder le short. Et voilà. Où je vais voir si je filme en entier avec de la musique derrière. Je verrai, je verrai. Voilà. En tout cas, je vais faire mes ongles. Ou aujourd'hui ou sur dans la semaine et vous l'aurez pour mercredi. Voilà, et ben c'est terminé. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Ah oui, là je vous avais dit que j'avais fait un tracker pour les vacances. J'ai vu que Jenny avait des trackers vierges, donc je vais lui en prendre un pour ça. Et voilà. Donc en plus ils sont de couleur un petit peu beige comme ça. Donc ça ira parfaitement. Donc j'en ai pris 5, je crois. Donc voilà, c'est plutôt pratique d'avoir des trackers comme ça vierges. Comme ça on peut traquer des filles qui n'ont pas de derrière tracker. Parce qu'elle a un défi qui a un peu le défi Picsou et derrière il n'y a pas de tracker. Donc c'est pour ça aussi que vu que je l'ai pris celui-ci, son défi, vous verrez. Bah, c'est pour ça que j'ai pris aussi des trackers en puce vierge. De toute façon, vous verrez ça dans la vidéo du haul. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, vous abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et surtout. Prenez soin de vous, c'est important. Bye tout le monde!